يا ربي أنت سلطان نحن علي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم دستور ملد ياسين سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد مدد شيخنا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ قطب التصارف مدد الحق أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم لونج الله عز وجل كنزام permis d'être ensemble. C'est un chemin basé sur le compagnonnage. Dans un temps précieux, après la zaman, le temps des derniers jours. Dans un temps où l'histoire de la fin est en train de connaître son épilogue. Et dans un temps où les défis pour l'humain sont extrêmes. Seulement s'il savait, seulement s'il voyait, seulement s'il percevait, seulement s'il n'était pas aveuglé par l'illusion généralisée. Aujourd'hui, Shaitan Sa'idu Billah, il célèbre d'avoir mis les humains à genoux. Il célèbre de leur avoir rendu la vie impossible. De les avoir rendus esclaves de la dunya, de les avoir éloignés d'Allah Azza wa Jal, de les avoir éloignés de leur fonction fondamentale. Khalifatullah fil ard. Khalifatullah des Seigneur en attente, hommes et femmes, en attente de leur couronnement pour l'éternité. Arrivés sur terre pour une épreuve. Mais surtout, il célèbre de les avoir rendus, les humains, anxieux, tristes, dépressifs. Cette dépression est en train de brûler l'humanité. Où que vous tournez, il y a un mal-être qui est évident. Il y a un mal-être.
Il y a une déprime profonde dans les humains. Et malgré tous les bienfaits qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de bienfaits. Pour la majeure partie des gens, leur condition est favorable. Et cette condition favorable, elle augmente dans le confort et dans l'abondance. Mais l'émotion de l'humain, parce qu'elle n'est pas canalisée au bon endroit, alors elle fluctue. Et nos rues sont remplies de gens qui errent aujourd'hui comme des âmes en peine. Nos rues sont remplies de gens déprimés, dépressifs, qui consomment des substances licites. La prescription pour les antidépresseurs à la pharmacie de toutes les familles que vous voulez. Ou les substances illicites. Les substances illicites, même chez les croyants. Et ça, c'est pour ceux qui ne sont pas chez le psychologue, le psychanalyste, ou même le psychiatre. Ou alors qui viennent voir les imams pour dire, on nous a fait peut-être la magie noire, ou peut-être les djinns, ils m'embêtent. Ou peut-être quelque chose qui ne va pas avec moi. Et il ne faut pas sous-estimer l'œuvre du shaitan dedans. Toujours, il dit, Allah Azawajal, il ne vous a pas créé pour être triste. Alors, pourquoi une telle ampleur? Moi, je suis assez vieux pour me souvenir. Si on dit, quand j'étais jeune, lui, il est dépressif, personne ne sait ce que ça veut dire. On a vécu dans un temps, quand il y avait quelqu'un qui était émotionnel comme ça, il y en avait un dans le village. Personne ne savait pourquoi. Aujourd'hui, un, il va bien. Un deuxième, il va bien. Le troisième, il se bat. Un autre, il va bien. Un autre, il va bien. Le troisième, il se bat. Et ça, c'est les meilleures statistiques que nous avons. Et Allah Azza wa Jal nous a accordé un bien-être matériel qui augmente chaque année, avec son lot de problèmes, bien entendu. Donc, le bien-être matériel, il ne remplit pas un certain vide dans le cœur du serviteur. Et
Et notre dépression, toujours, on cherche le responsable. Ah, c'est mon patron. Comment il est sur mon dos tout le temps. C'est tellement, on a tellement accusé nos patrons. Oh, ah, c'est ma femme, c'est mon épouse. Oh, c'est mon mari. Ou alors c'est le voisin. Ou alors c'est le reste de la famille. Parce que eux, ils ont eu beaucoup, moi j'ai pas eu assez. Dans toutes les familles, il y a une histoire comme ça. Soit ils ont trop eu l'attention des parents et moi j'ai pas eu assez. Ou ils ont trop eu de l'argent des parents et moi j'ai pas eu assez. Ou ils ont trop eu des efforts pour la famille et moi j'ai pas eu ma part. Et l'humain, Shaitan, Saïd ou Billah, il est dans une symphonie de célébration. Parce que plus le temps passe, plus les serviteurs disponibles pour lui sont nombreux. Comme club de vacances en permanence. Tellement de gens, tellement de serviteurs pour lui. Ceux qui sont visibles parmi les humains et les shayatin qui sont invisibles parmi les djinns. Et toujours, il cherche comment faire tomber l'humain et voler la lumière qu'il y a dans lui. La lumière de la foi, la lumière du khair, la lumière de al-afia, cette lumière du bien-être. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand notre mère, Sadatuna Aisha, radiallahu anha, elle a demandé, s'il y a juste un dua à faire, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on devrait dire? Il a dit, demande à l'Afi. Demande à l'Afia, demande le bien-être, demande cette disposition de l'être qui fait qu'il n'y a pas de tracas qui viennent altérer la sérénité qui fait que tu peux t'élever facilement pour aller chercher le visage de ton Seigneur. Et dans chaque maison, dans chaque famille que vous rentrez, vous trouvez un membre de la famille qui est en proie à cette dépression. Et qu'est-ce que nous faisons pour ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui connaît son Seigneur, celui qui se connaît, il connaît son Seigneur. Donc nous devons apprendre à nous connaître. L'humain, il a trois niveaux dont on va lui demander responsabilité. Son corps, comment il a traité son corps, comment il l'a nourri, comment il s'est occupé de ce corps-là. Ce corps a un droit sur lui. Si tu ne le nourris pas correctement, il va se plaindre le jour du jugement dernier.
Si tu ne lui accordes pas son repos, il va se plaindre. Si tu lui mets des substances qui l'abîment, il va se plaindre. Si tu l'amènes dans des endroits qui sont nocifs pour lui, il va se plaindre. La deuxième chose chez l'humain sur laquelle on a responsabilité, notre esprit. Mind. Comment on s'est occupé de notre pensée? Nous avons appris le langage, nous avons appris les principes et les concepts, nous avons échangé, nous avons nourri notre connaissance. Et nous avons nourri notre connaissance dans les choses de ce monde et dans les choses du divin. Donc ce qui nous relie à ce monde et ce qui nous relie à Allah. Et nous avons également, nous nous sommes occupés du cœur. Le cœur, Beitullah. Le cœur, l'antre de notre réalité, et là où réside la manifestation de la lumière d'Allah. Là où réside l'âme et ses traits caractériels. Et donc, le cœur qui doit être protégé, illuminé, protégé, nettoyé, pour que soit sorti du cœur tout autre chose que Allah. Et l'âme, quand il vient dans le corps, il a une interface avec le corps. Et cette interface, elle crée nos perceptions. Il fait la traduction en anglais. Elle crée nos perceptions et elle crée nos émotions. Les émotions que nous avons sont au niveau de l'interface entre la lumière absolue et notre manifestation dans ce monde. Et c'est pour ça que ces émotions, elles nous prennent et on les ressent physiquement. La joie, la colère, le bonheur, la dépression. Ici au Québec, on est dit, on est ben émotionnel. Pour décrire cet espace-là. Et Shaitan, Sayyidu Billah, Allah Azza wa Jalla lui a donné la clé pour entrer dans le cœur de l'humain, dans son premier niveau. Calme. Le niveau du cœur. Et il rentre, il déverse toutes les saletés possibles. Il déverse le waswas. Il déverse la pensée constante pour opprimer, pour tyranniser, pour corrompre, pour pervertir. Mais il déverse aussi pour l'individu la tristesse, le doute, l'anxiété et la dépression. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller voler la lumière directement, alors il vient attaquer, Sayyidu Billah, le serviteur dans l'endroit où
il a l'afia, il a un bien-être. Il est dans la sérénité, sakina, toumanina. Il est dans cette douceur de l'être. Si tu vois celui qui se lève et il est prêt à mordre dans la vie, il est heureux, il veut sortir, il y a 40 shayatines qui l'attendent à la porte. Parce que tu baites dans la maison, il y a beaucoup de shayatines qui ne peuvent pas rentrer, c'est une protection. Alhamdoulilah. Dès que tu sors, ils sont à la porte. Et là, ça commence, ils vont t'accompagner toute la journée, ils vont te travailler, ils vont te... Et tu t'es levé avec himma, avec la force de l'enthousiasme. Quand la journée est finie, comme un pneu dégonflé. Et le fondement de cet état-là, Rana Sheikh Nazim, il disait, le fondement de l'état dépressif dans l'humain, il est dans son insatisfaction. Il n'accepte pas son présent, il est anxieux de son futur et... Non, il se... Hein? Il est mélancolique de son passé. Hein? Mélancolique, pas alcoolique, mélancolique. Mais même chose, parce qu'il est ivre en pensant. Hein, quand on pense au passé dans le temps, qu'est-ce qu'on dit? Le bon, c'était le bon vieux temps. Regardez-les. Si tout de suite ils mettent la radio, ils entendent une chanson de jeunesse, tout de suite ils commencent à palpiter. Et des fois tu regardes. Les gens dans leur voiture, ils sont en train de conduire. Là, ils chantent à tue-tête. Parce que ça remonte 20 ans, 30 ans. Il était jeune, il n'avait pas de soucis, il n'avait pas poussé les cheveux blancs. Elle ne lui avait pas cassé la tête pendant 20 ans. Hein? Et Marlon Achernaz, il donne des leçons comme ça. Il a dit, le serviteur d'aujourd'hui, il a un pied, il est en grand écart. Il a un pied dans le futur, un pied dans le passé. Il est incapable de dealer avec le présent. Toujours anxieux de ce qui vient. Toujours anxieux de ce qu'il vient. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'il va rester avec moi? Ou est-ce que mon enfant, il va réussir? Et ma carrière, est-ce que ça va décoller? Est-ce que je vais réussir à faire mieux que mes frères et sœurs parce que je suis la risée de la famille? Ou est-ce que demain... L'environnement, il ne va pas venir pour nous ensevelir. Peut-être les Chinois, ils sont presque pour envahir ici. Ou est-ce que je vais pouvoir retourner dans mon pays? Ou, il y a une anxiété perpétuelle par rapport au futur. Et ça ne s'arrête pas. Chacun ici, comme on disait l'autre jour, il n'est pas là. Ouais. Dans le pipeline l'organisation pour le futur, une année, 2 années, 10 années, on a du programme qui roule là. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais on a beaucoup d'expectatives pour le futur, mais beaucoup d'anxiété par rapport à est-ce qu'on va atteindre ou pas. Malgré le fait qu'il n'y a pas une personne qui a l'assurance que demain, il va être debout sur cette terre. Ça appartient à Allah. Tous les jours, on t'appelle pour te dire... Ah, Rahmatullah, allez, il est parti. Oh. Tous les jours, on nous appelle pour nous dire, il a atteint la maladie, il n'y a plus rien à faire, ils ont découvert cette maladie, qu'Allah nous en protège, et il lui reste une année, 6 mois, un mois, regardez. Là, j'ai rencontré quelqu'un, il a eu le diagnostic. Il se bat avec la maladie. Le docteur l'a appelé, il a dit, c'est quoi le diagnostic? Il a dit maximum 2 mois.
le soir, tu le vois, il sort de la chambre et il est heureux comme ça, il s'éveille. Les croyants. Les croyants, comme notre mère, Sayyidatuna Aïcha, Fatimatu Zahra, Al-Tahira, radiallahu anha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a parlé à son père, le prophète lui a parlé à l'oreille, il était sur son lit de mort, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, parce qu'il était à l'agonie, l'agonie que 1000 hommes ne vont pas porter. Allah sait ce que le prophète a porté. Nous, on veut se lamenter. Nous, on veut se lamenter. Le prophète sur son lit d'agonie, il a transpiré toutes les larmes de son corps. Tellement la douleur était intense. Parce qu'il avait un poison qui avait dont le mal déchire les artères. Et quand Sayyidina Azraïl est venu pour le visiter, il s'est arrêté à la porte et il a pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, viens, ne sois pas gêné. Il ne veut pas rentrer. Il a dit, viens, je suis prêt. Et Maulana Cheikh, il disait, quand il a commencé à retirer l'âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crispé le visage. Et il a dit, c'est douloureux. Est-ce que ma Oumma, il va sentir comme ça? Et c'est Nazareth, il a dit non. Plus que ça. Il lui a dit, alors transfère sur moi leur douleur. Transfère sur moi 99 parts de leur douleur sur 100 et laisse leur 1. Un messager parmi vous, plein de compassion, d'attention et d'inquiétude à propos de vous. Subhanallah. Comment Allah Azzawajal nous a honorés de par sa grandeur. Alors, et alors, la séparation faisait mal à notre mère. Et elle pleurait sur son chevet. Alors il l'a approchée, il lui a parlé à l'oreille, elle a arrêté de pleurer. Et il lui a parlé encore, là, elle a commencé à rigoler. Après, ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'il a dit ton père pour te faire rigoler, salam, salam. Elle a refusé de répondre. Jusqu'à ce que les funérailles soient finies et que le temps est passé. Et là, elle a dit, il m'a dit, oh ma fille, apaise-toi à partir d'aujourd'hui, plus de souffrance pour ton père. Mais tu es la prochaine à me suivre. Elle est allée à la célébration, elle a rigolé. 6 mois plus tard, un jour, ils sont allés, ils ont couru pour aller appeler Sayyidina Ali. Ils lui ont dit, il faut que tu viennes parce que il y a quelque chose qui nous inquiète avec notre mère. Il est venu à la maison, il a trouvé qu'elle a fait son roussoul. Elle a mis les plus beaux habits, elle a fait sortir sa couchette en dehors de la maison, en plein air. Et elle était couchée comme ça. Il a dit, ma bien-aimée, que se passe-t-il? Elle lui a dit, c'est le jour. J'ai été informé que je rejoins mon père aujourd'hui.
dans la présence d'amour. Allahu Akbar. Dans la célébration. Elle est partie comme ça. Sans aucun signe avant-coureur. Et elle a été informée le lendemain, elle s'est préparée. Pour les gens de la lumière, qu'Allah fasse que notre départ soit sur une note aussi belle. Amen. Alors, Shaitan, sa'ilu billah, Allah, ma chère, il dit, il sait comment faire tomber l'humain. Il sait comment souffler la colère, comment souffler le hasad dans son cœur. Il sait comment souffler la malice, comment souffler la paresse. Il sait comment le déprimer. Ça n'augure pas bien pour toi. Tous au travail, il y a un problème. Tu ne sais pas si. On pose la question. La moyenne d'âge ici, c'est entre 20, 30, 40, 50. Non, les plus vieux, ils ont 28 ans, disons comme ça. Ou les plus vieux, ils ont 33. Hein, comme ça, tout le monde est content. C'est l'âge de Sayyidina Isa alayhi salam. C'est l'âge de Jannah. Hein? 33, tu as encore plein d'énergie. Hein? Faites-nous confiance, quand vous passez ce cap-là, ça commence à descendre et ça descend très vite. Alors, profitez. Mais il va venir pour voler ce bien-être de l'humain. Et nous oublions que malgré l'âge que nous avons toujours mangé. Nous avons toujours eu un toit. Alhamdoulilah, à la grande majeure partie d'entre nous, nous n'avons pas connu les travaux forcés. Nous n'avons pas connu le goulag. Nous n'avons pas connu les sévices et la torture. Parce qu'il y en a beaucoup sur terre. Allah nous protège. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas enterré notre famille au complet. Ou enterré nos enfants. Allah nous en préserve. Ça c'est une épreuve. Quand elle arrive, l'humain, il vieillit au moins de 10 ans sur une journée. Mais c'est une épreuve. Mais Shaitan, toujours, il va mettre l'anxiété. Il va souffler le doute à propos de toute chose. Il souffle le doute à propos de ta foi, à propos de tes relations, à propos de la fiabilité de tous ceux qui sortent tantôt. Pour l'homme, il sème le doute pour sa femme. Pour la femme, il sème le doute dans le cœur pour l'homme. Des fois à tort, des fois à raison. On s'entend. Mais, dans le seul but de créer la turbulence et d'aller voler son bien-être et son bonheur. Alors, là, mon cher, il dit, faites attention. Le moment présent, dans la vie d'un croyant, c'est la chose la plus importante. On doit le vivre pleinement. Et on doit le vivre avec conscience. Et on doit le vivre avec hamd. Ce qui nous fait le plus défaut. Le hamd et le shukr. La louange au Seigneur des mondes et le remerciement et la gratification. Masha'Allah. Quel bonheur. Chou, qu'est-ce qu'il y a? Un verre d'eau. Masha'Allah. L'eau fraîche. Elle est claire, elle est translucide. Il n'y a pas d'effort. C'est arrivé ici.
ça va éteindre le feu en moi, ça va me purifier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quel bonheur. Ça semble anodin. Jusqu'à ce que vous marchiez dans les villes du Sahel, où vous voyez les enfants qui ont les ventres gros comme ça, parce qu'ils boivent de l'eau dans les flaques d'eau. Et que le taux de mortalité infantile, 50%. Il y a. Ça ne nous paraît pas important. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Le bien-être constant que nous avons, de louanger. On est arrivé ici, tout le monde a pris l'eau en rentrant à la Zawiya ce soir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il pleuvait, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait son turban pour que l'eau touche sa tête. Parce qu'il disait que cette eau, elle descend avec la bénédiction d'Allah. Et chaque goutte vient avec une bénédiction et portée par un ange. Nous, quand la pluie nous touche, vocifération intégrale, tout le monde se plaint. Il n'y a pas une chose qui nous atteint sur laquelle on n'a pas une complainte. Donc déjà, il faut apprendre à apprécier ce que nous avons. Il faut apprendre à honorer le moment présent. Il faut apprendre que le moment présent, c'est une faveur d'Allah et c'est une conversation avec Allah. Chaque instant, chaque moment, chaque situation, chaque rencontre, chaque échange, chaque regard, chaque chose qu'on entend est sur le livre de Qadr, de la prédestination d'Allah, est une conversation en permanence avec le Seigneur. Et, voilà, le cheikh, il disait, une fois que tu mets le moment présent, tu le vivifies, tu l'honores, tu célèbres, tu développes ta conscience, coupe-toi de l'anxiété du futur, car ça appartient à Allah. Et ne plonge pas dans la mélancolie de ton passé. Car Shaitan, il va mettre beaucoup de bahour là-dessus, hein, beaucoup d'encens. Oh. Et il sait comment aller toucher l'émotion. Il dit, ce qui est passé est passé. Le plus important, c'est là où tu es. Et comment tu vas finir. Alors, quand l'état est comme cela, le serviteur, il doit se connaître. Il doit savoir toujours qu'il doit développer le caractère qui va le préserver de faire vaciller son enthousiasme. Et faire vaciller l'enthousiasme, qu'est-ce qu'il disait, mon âme chère? Quand cet état vous habite, alors lève-toi. Lève-toi au milieu de la nuit, alors que toute la ville dort. Prends ta douche, mets-toi sur ton tapis de prière, fais deux rak'at, lève tes mains, chante la louange au Seigneur des mondes et déclare-lui le feu de ton amour. Et dis, ô mon Seigneur, je t'aime. Et demande d'être illuminé de son amour. On a entendu? Qui va faire ça ce soir? Et qui ne va pas revenir demain pour dire oh. Comme il a dit le prophète, il passe devant le cimetière, il dit, si on était là, Seigneur. Qui n'a pas eu cette pensée? Et on le compte sur le bout des doigts. On peut prétendre aux autres.
On ne peut pas se mentir à soi-même. La vie n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas une chose facile. Mais, et ça c'est la parole de Maulana Shehnaz, si ton cœur est triste et que tu es en dépression, lève-toi au milieu de la nuit. Prends ta douche, prie de la grâce et fais un munajat, adresse ton Seigneur comme si tu te tiens devant lui. Vous me dites, car en réalité, tu te tiens devant lui. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer ton Seigneur comme si tu le vois. Ça c'est l'acte de Ihsan. Car si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Et il n'y a pas de parole qui est prononcée qui ne soit pas témoignée. Il n'y a pas d'adresse qui est faite à Allah Azza wa Jalla qui ne soit pas reçue. Et l'adresse du cœur qui est ingrat, peut-être la réponse sera reportée. Et on finit là-dessus. La dépression chez l'humain, donc elle est créée par l'incertitude, parce qu'il n'arrive pas à se fixer sur ses choix. Hein, quand on doit choisir, est-ce que je choisis entre cette entreprise ou cette entreprise-là? Il est venu un enfant brillant. Il a postulé pour les plus grandes académies. Il a été admis pour les deux plus grandes académies aux États-Unis. Je vais ici ou je vais là. Je vais ici ou je vais là. Shaitan, il a tellement augmenté, il a quitté la vie. C'est une histoire vraie, ça m'a dit. Dans l'anxiété du choix, il est devenu fou. Et ça, c'est Shaitan qui amène l'humain dans cet univers-là. Et donc, dans ce doute-là, l'humain devient paresseux, il procrastine, il ne met pas les choses en place. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne s'occupe pas. La plus grande maladie de notre temps. Dès qu'on a le temps de ne pas faire, on s'assoit et on fait rien. On a toutes sortes d'excuses. Il y en a qui sont malades perpétuellement. Il y en a qui ne trouvent pas la bonne job. Il y en a qui ont des responsabilités qui sont trop grandes ici ou là. Il faut s'occuper. L'enfant d'Adam, Bani Adam, ils n'ont pas été créés, alayhi salam, ils n'ont pas été créés pour être oisifs, pour ne pas être occupés. L'effort de la subsistance, elle incombe à l'homme en islam. C'est son obligation. On s'entend. Cela ne veut pas dire que la femme doit être assise à regarder, à contempler les étoiles. Ça, c'est une... Voilà, Nasher, il faisait une joke. C'est une... Il dit, quand c'est Adam, alayhi salam, il est descendu, il a couru toute la terre pour chercher notre mère, Umna Hawa. Où est-ce qu'il l'a trouvée? Il l'a trouvée, elle est assise. Au lieu de chercher aussi, elle était assise et elle se lamentait. Il dit donc, Allah Azza wa Jal, il a élaboré les natures en conséquence. Hommes et femmes ont des devoirs et des responsabilités. Et donc doivent s'occuper.
La journée est pour l'homme et pour la femme. Elle a 8 heures d'ouvrage. 8 heures d'ouvrage. Un tiers de la journée, c'est l'ouvrage. Pour l'homme, c'est le travail. Pour la femme, c'est le travail. Et ou la famille, et ou la maison. Mais ça reste de l'ouvrage. Il ne faut quand on est sans activité, comme ils disent dans le langage de Molière, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et l'humain se déséquilibre. Et alors, le shaitan, il s'en donne à cœur joie. Alors, Maulana Cheikh, quand les gens venaient, toujours, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les gens, ils étaient reçus par Sultan al-Awliya, Rana Cheikh Nazim. Souvent, on arrive, on dit c'est un grand cher, on pense qu'on va rentrer dans un univers et il va commencer à nous parler de réalité, de Marcomat. C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? Oh, je viens. Oui, mais tes parents. Parce que Maulana Cheikh, il lisait les gens et il aimait à leur donner un cadeau par rapport à leur origine. Des fois, il dévoilait des choses. Et tout de suite, qu'est-ce que tu faisais? Ouh, si vous disiez, on est en train d'étudier à l'université, là, il levait les bras encore. Quatre domaines, ils nous ont donné. S'il n'est pas dans les sciences, il est dans les sciences humaines, ou il est dans la littérature, ou il est dans le business. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Tous les cursus sont sur ces quatre lignes. Il dit, il y a 40 000 métiers sur Terre, mais nos académies ont produit quatre variantes sur ça. On fonctionne avec aujourd'hui. Il dit, mais ça aussi, c'est l'œuvre du shaitan. De garder les humains occupés. Comme il disait, il a dit, mon fils, tu as quel âge? 25 ans. Tu as quoi? Il a une maîtrise. Tu as à l'université? Oui. Tu as trouvé le travail? Non. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je traîne un peu. Tu prends le café? Oui. Tu te donnes l'argent pour le café? Tes parents. Il dit, à 15 ans, tu dois déjà mettre la main à la pâte quand tu es un homme dans la maison pour aider les parents. Ils sont rendus 10 ans plus tard, c'est encore les parents qui payent le café pour qu'il aille pianoter, montrer des belles chaussures sur les terrasses de café. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le cœur libre de cette tristesse, de ce doute, de cette dépression, de cette maladie. Qu'Allah Azzawajal nous garde occupés avec les bonnes choses. Qu'il nous fasse célébrer la vie à chaque instant. Qu'il nous protège de tout ce qui nous assombrit l'horizon. Qu'il illumine notre horizon. Qu'il nous rende heureux, joyeux. Qu'il nous fasse célébrer la vie pour sa gloire, pour l'amour de son messager. Salut wa salam. Qu'Allah Azzawajal nous rendent parmi comme des papillons dans ce monde. Comme des papillons dans ce monde, avec leur lumière et leur légèreté, malgré toutes les difficultés de cette vie.